sac. Mais même dans la peinture, c'est la liberté de choisir, de peindre sac viveux. Et puis, pas calculer qui aime pas. Puis aller vraiment, c'est une liberté, le rêve que m'y retranscrit dans la peinture. Les peintures, les très colorées, très lumineux. Et puis, mais c'est, on voit un petit peu de gaieté, un petit peu de rêve, un petit peu de fantaisie. Moi, j'appelle ça peinture tropicale, peinture intuitive, parce que on a une idée à peu près vague dans ma tête. Je fais un peu au crayon, après sur la toile ou sur le bois recyclé. Mais je commence à peindre beaucoup sur le bois recyclé. Et puis, après, c'est au degré de, des fantaisies, de ce qui se passe dans la tête. Mais vive en France, à Fontainebleau. Et là, c'est l'automne, l'hiver. Donc, mais j'essaie de mettre un petit peu de couleur un peu partout. Et puis, les gens, on est contents. Ça tient bien, on a une belle énergie. Et puis, beaucoup de couleurs. Donc, il fait du bien aux gens. Moi, j'ai inspiré beaucoup par mon enfance ici à La Réunion. Mon papa était élève d'oiseaux. Donc, j'ai essayé de mettre un petit peu de perroquet à droite, à gauche. Et puis, un peu de plage. Des fois, des pailles en queue. Et des fois, j'y invente aussi beaucoup les feuillages des arbres, tout ça, les fleurs. La Réunion, elle est là, elle est dans mon cœur, donc la réunionnaise jusqu'au bout des doigts. Donc voilà, ils ressentent comme ça. Ils peignent beaucoup avec la peinture à l'huile. On va essayer l'acrylique, mais ils trouvent que la peinture à l'huile, ils ressentent mieux les couleurs, la lumière. Et il prend un petit peu plus de temps pour sécher, pour retravailler, mais essayer de faire le minimum de couches de peinture possible. On essaie de décliner un petit peu les produits sur différents supports. Et puis on a un bonhomme en France, il veut faire un imprimeur. Il veut imprimer l'étoile, reproduire l'étoile sur plexiglas, des fois sur des articles, enfin des coussins, sur les tasses. Donc faire un petit peu des produits dérivés dessus. Voilà, fin exposée en France, à Paris, et puis on est en train d'essayer d'organiser une exposition ou deux ici à La Réunion. Dans l'île, oui, c'est le rêve, quoi.